Voilà, ça a été une journée très triste, vraiment très triste. Je vous fais cette vidéo à chaud. Là, je suis de retour de Montpellier, exactement de La Payade, où j'ai assisté à l'enterrement du petit Ayman, rahimahullah, que Dieu lui fasse miséricorde. Sachez que l'enterrement s'est très bien passé, dans le calme et la dignité, à la mosquée Averroès Ibn Rushd, à Montpellier, à La Payade exactement. L'enterrement s'est fait dans un respect et dans la dignité. La famille a occupé le premier rang dans la mosquée. Donc voilà, je vous laisse regarder ces images de la mosquée Averroès à Montpellier, où l'enterrement du petit Ayman, que je rappelle, ça fait une semaine, qui a été tué après le match qui a opposé le Maroc à la France. Le petit Ayman était dans le commerce à son père. Son père tient un commerce à Montpellier et à l'endroit où il a été tué. Donc voilà, le petit Ayman n'avait rien à voir avec le. Je vous laisse d'abord regarder ces vidéos. Beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, beaucoup de mamans, des papas, et il y avait vraiment beaucoup de monde, oui, comme vous le voyez dans ces images. Je vous laisse regarder sans commentaire. Il était tranquillement en train de regarder le match dans le commerce à son père. Après, c'est tout à fait normal qu'après la victoire du Maroc, il est sorti pour fêter ça et pour voilà, devant le commerce à son père, parce que le drame s'est passé à cet endroit-là. Cet homme, ce chauffard, pris de panique ou je ne sais quoi, qu'on doit tuer ou écraser. Tuer un enfant de 13 ans. Ayman n'avait pas encore 14 ans. C'était un enfant, d'après tous les moyens, les témoignages que j'ai, vraiment un enfant que Dieu lui fasse miséricorde. Rahimahullah, c'était un enfant très gentil. Le lendemain de sa mort, la plupart de ses professeurs, choqués de l'événement et par amour pour ce petit, ne sont même pas venus à l'école. La plupart de ses camarades d'école ne sont pas venus non plus le lendemain de sa mort, quand ils ont appris que c'était le petit Ayman qui avait été tué ce soir-là. Donc sachez, excusez-moi si la caméra elle bouge parce que je suis sur la route et je vous fais cette vidéo là à chaud. Sachez que au moment où je vous parle, je vous fais cette vidéo, la personne qui est de la communauté gitane, j'ai rien contre la communauté gitane, je peux vous assurer. Au moment où je vous parle, il n'y a même pas 10 minutes, je me suis arrêté à la station service et c'était un gitan avec sa famille. Il m'a arrêté, il m'a dit s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, est-ce que tu peux m'aider parce que je suis en panne de gasoil, il n'y avait pas de sous. Et Dieu est témoin que voilà, je n'ai rien contre la communauté gitane. Dans tous les peuples ou toutes les nations, ou toutes les, il y a toujours des brebis galeuses. Et je pense que celui qui a tué et qui s'est échappé. Est une brebis galeuse et sa communauté sont venus auprès de la famille de Ayman après le drame. Sa communauté sont venus partager cette douleur avec les parents de Ayman. Nous regrettons énormément et nous sommes avec les parents que nous soutenons profondément. Je tiens à dire que nous avons le même Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, qui est le même pour nous tous. Et jusqu'à présent, nous avons toujours vécu en paix et je souhaite que cette paix revienne. Les parents de Ayman ont appelé plusieurs fois au calme, car il y a eu, après la mort de Ayman, quelques échauffourées et des tensions. Et les parents de Ayman ont appelé au calme, ils ont appelé toute la communauté au calme, ils ont appelé les gens au calme. Comme ils ont dit dans leurs plusieurs communiqués, qui faisait entièrement confiance à la justice française.
S'il vous plaît, arrêtez, ça c'est la vérité. Nous, on veut faire notre deuil. On n'a pas encore récupéré malheureusement le corps, on attend l'enquête. Une fois qu'on enterre Chardin, on fait la salade de Genesa, on laisse la justice agir. Ça sert à rien, ça mène à rien la violence. C'est un cercle vicieux. Demain, ils vont aller, ils vont tuer, ils vont rentrer en prison, ils vont venir d'autres, ils vont tuer. Quoi? On va faire un carnage? Ça sert strictement à rien. Nous, on ne veut pas de violence. On veut que tout se passe dans le calme. Inch'Allah. Et voilà. Toutes mes condoléances à la famille de ce petit et particulièrement à sa maman. Je lui souhaite à Sabr Jamil, comme on dit, une grande patience, car il n'y a qu'elle qui peut sentir cette douleur. La perte d'un enfant n'est pas facile. Je souhaite vraiment qu'elle puisse traverser, elle et sa famille, cette période de deuil. اللي كانوا تما وشحال من واحد قال لي بان هذا السيد كان كيدوز تما وكان كيعاود كيعاود يدوز تما وبحال كيجبدهم يعني هو اللي بدا فيهم كيجبدهم راه دوك الشباب راه ماشي كلشي يعني كل واحد غادي يصبر وكل واحد غادي يقول راه اسمتو راه هانتوما شفتوا داك الفيديو راه مشى واحد جبد لي هذيك الرايه ولا ما عرفتش وقع وهذاك بقى يدوز فيهم يعني راه هذه الحاله فاش مات الدري صعيبه بزاف داو الدري وصلوه السبيطار مات رحمه الله داموا الامانه امانتو رجعت من الجنازه صلاه الجنازه ديال الايمن اللي كما قلت لكم راه درت واحد الفيديو بعد موته بواحد ساعتين درت لكم واحد الفيديو واحد اللايف ووصلوني بزاف ميساجات من ناس عنصريين اللي خلوني ميساجات خايبين وحيتهم حيت شي وحدين ومازال شي وحدين المهم كما قلت لكم ديك الليله اللي لعب فيها المغرب مع فرنسا خرج ايمن كان في المحل التجاري ديال باه بعده محل تجاري في نفس البلاصه فاش تقتل وخرج باش يعني يلعب باش يعني يفرح بهذا الفوز وداز واحد السيد اللي هو من يعني من لا كومونيتي ديال الجيتان كما قلت لكم في هذه البدايه ديال الفيديو راه يعني ما عندي شي يعني ما جي اوكين ما عنديش حتى مشكل مع لا مع هاد لا كومونيتي مع هاد الناس دابا قسما بالله الا واحد السيد منهم واحد الجيتون اللي حبسني بالطوموبيل قال لي عافاك راه عندي ولادي وما عندي باش ندير المازوط وعلم الله بان راه دي بانوتو المهم غير باش نقول لكم بان ليس حقدا يعني لهاد انما هذا اللي هو قتل هاد الدري بواحد الطريقه يعني وحشيه لا حول ولا قوه الا بالله المهم هاد الساعه فاش كندوي لكم مازال ما شدوش ومازال ما سلمش راسو للسلطات ولا لا كومونيتي ديالو جاوا عند الوالدين ديال ايمن رحمه الله يعني باش يهدنوهم شويه وباش يعتذروا ولو يعني هادشي ما كان ما فيهش الاعتذار وفوالا باش لان ناط شويه الروينه في مونبيلي وفي لابايات بعد موت هاد الدري ماشي مره ماشي جوج العائله ديال ايمن داروا يعني ان كومونيكي داروا نداء للناس باش يرجعوا للهدوء وباش يعني ما يعني يكالماو لان يعني صافي اللي وقع وقع قدر الله ما شاء فعل كما كنقولوا وهما قالوا بان كيثيقوا في السلطات يعني في هاد لانكيت واخيرا في هاد الفيديو كان عزي عائله ديال هاد الدري رحمه الله الله يرحمه الله يدخل الجنه العائله كامله وخصوصا الوالده ديالو لان يعني ما غاديش يحس بهاد الحرقه الا مو مسكينه غنقول مسكينه لان صعيب عليها الحل بزاف ولد مازال صغير 13 عام مازال ما شاف والو يعني مات في واحد الظروف اللي هي صعب جد ولهذا كما ذكرت واحد الكلمه ديال علي ابن طالب رضي الله عنه قال لك بان الام اللي كتفقد ولدها جرح في القلب لا يبرى ولهذا كنوصيها للصبر الصبر الجميل ورحمه الله ايمن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والذكر الحكيم اللهم إنه قد نزل بك يا الله وأنت خير منزل اللهم أكرم ضيافتاه اللهم أكرم ضيافتاه.